note déjà en France une croissance de plus de 25% de la commercialisation en magasins spécialisés, en réseaux spécialisés, et une augmentation un petit peu plus faible, mais notable tout de même, en grande distribution, y compris sur les marques de distributeurs. Le fait est que le consommateur, partout dans le monde et de plus en plus, s'intéresse à sa santé. Si vous reprenez la France, il y a 80% des Français qui pensent que leur santé est liée à ce qu'ils consomment, ce qui est effectivement tout à fait juste. Vous avez une 60% des Français qui regardent l'étiquetage de leurs produits et une 60% d'autres, ou peut-être les mêmes, qui regardent l'origine des produits. Il y a une réglementation en Europe et dans le monde qui exige une certification. Donc en France, on a une organisation qui s'appelle EcoCert, qui est déjà ancienne et qui est très qualitative, et qui délivre la certification bio une première fois, puis qui va réaliser des audits tous les ans pour valider la qualité bio du produit. C'est un point extrêmement délicat aujourd'hui. On n'a pas assez de production bio parce que les productions bio sont difficiles, elles sont sans pesticides. Voilà, donc ça c'est quand même une difficulté réelle.